Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je continue les guidances pour le mois d'août avec le signe des taureaux. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop chaud surtout. J'ai modifié déjà pour le mois de juillet la façon de tirer les cartes, en fait, de faire les guidances. Donc, bon, ça, je le conserve, hein, l'oracle de l'énergie, pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Je vais faire un tirage professionnel avec l'oracle du sixième sens, ici. Et on va voir un petit message du côté sentimental, ce que l'oracle du chakra du cœur va vous dire, en fait, va vous délivrer comme message. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, les amis, c'est très important, d'accord? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors je tiens à vous préciser que je suis en sueur, j'ai très chaud parce que je ne peux pas mettre la clim parce que sinon ça va faire un bruit de fond. Et franchement, c'est horrible. Donc voilà. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Et puis je fais des gros bisous à mes abonnés. Allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux. Quel message avons-nous pour vous? Alors, on va voir un peu au niveau des énergies. Pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'août. Alors, taureaux. Deux, encore une, merci. Oh, et trois. Waouh. Alors, nous avons. Ok. J'ai là, ici, la carte, le chemin du temple qui est sorti à l'envers. Alors, en fait, ici, on vous demande de. Vous allez gravir. Vous avez envie de gravir des marches. En fait, d'évoluer dans votre vie, on va dire, qu'elle soit physique ou spirituelle ou matérielle. Là, elle est sortie à l'envers. Pourquoi? Les petites lanternes ici, on vous met des signes sur votre chemin. D'accord? Mais, comment vous dire ça? On vous demande aussi de faire preuve de patience. Un équilibre est en train de se faire ici, intérieurement. Il y a un équilibre qui est en train de se faire intérieurement. On vous demande d'être patient. Et patiente, bien évidemment, pour aller au bout de votre projet. Donc, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, un projet familial, enfin, peu importe, d'accord? Mais surtout, suivez, essayez de faire attention, d'être attentif aux signes qu'on vous envoie, d'accord? On vous met peut-être... je ne sais pas, dans des situations, vous vous retrouvez des fois dans des situations un peu étranges pour vous, mais en fait c'est un signe, d'accord? Ça peut être des heures miroirs, ça peut être, voilà. Mais là on vous demande de faire preuve de patience, parce que vous êtes en phase d'équilibre ici, que ce soit émotionnel ou même matériel, enfin, professionnel, enfin, peu importe, d'accord? En tout cas, c'est des belles énergies. Allez, on va les mettre ici. Hop. Le 2, ici, ça représente l'harmonie. Donc, le 2, 4. Il y a vraiment... C'est la communication aussi, hein. D'accord? Bon. Allez, on va voir. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous? Au niveau professionnel, alors je vais faire avec... je vais prendre 5 cartes. Pour l'instant, je vais mélanger. Ici, on vous demande... Attention à la trahison, ici. Alors, la trahison, ça peut être vous, hein, qui vous trahissez par rapport à une situation. C'est vraiment mon ressenti, ici. C'est peut-être une trahison intérieure, en fait. D'accord? Bon, on va voir. On va développer, bien évidemment. Mais ça peut être aussi une trahison... dans le domaine professionnel, d'accord? L'amour, ouais, l'amour. Solidarité, amour. Tout ce qui vient du cœur. Allez, taureau.
Niveau professionnel, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. La réussite. La réussite. Allez, on va couper. On va faire une coupe. On va voir un peu vos taureaux pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, j'ai la femme. Et la vieillesse. Alors ici, pour vous, mesdames, il s'agit ici de faire preuve d'un dépouillement. Il y a quelque chose. Voilà, on fait table rase du passé, d'accord? Tout ce qui est ancien. On se dépouille de tout ce qui est ancien. Ok? Mais ça peut être aussi, la vieillesse, ça peut être aussi quelque chose qui va se réaliser à long terme. Donc, sur le long terme, pardon. Donc, on va voir un peu. Ici, il y a, hop, voilà. Vraiment quelque chose du... Il faut vous dépouiller de quelque chose du passé. Parce qu'il y a un renouveau ici, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle jeunesse, on va dire. Et c'est peut-être lié à, justement, comment ça s'appelle au niveau relationnel, d'accord? Quelque chose qui est vraiment ancré, qui est fusionnel, qui est à deux, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Par contre, attention à la jalousie, hein, les amis, par rapport à une union ici. Bon, on va voir. Mes amis taureaux. Allez, professionnellement pour les taureaux, s'il vous plaît. Après, monsieur, ça peut vous concerner aussi pour vous, une personne féminine autour de vous, hein, d'accord? Allez, taureau, au niveau professionnel, pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La chance, j'espère que vous le voyez tout, ouais. La réussite, waouh! Pardon, le choix, l'attirance, la famille. On est bien dans le professionnel ici. Hein. Ici, vous êtes peut-être dans votre... Au niveau professionnel, vous avez peut-être un choix à faire. Vous êtes attiré par plusieurs choses, hein, évidemment. Et là, on vous demande de faire votre choix. De toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, la famille, c'est la famille professionnelle. Hein. De toute façon, peu importe le choix que vous allez faire, vous allez vers la réussite. Et on me dit ici, c'est un nouveau départ, hein, avec le 1, mais vous avez la chance avec vous, hein, d'accord? Donc, je pense qu'il faut vraiment vous poser et faire preuve de patience pour retrouver un peu un équilibre, hein, un équilibre intérieur. Et vous allez les gravir, ces marches-là. Vous allez les gravir, vous allez vers la réussite, votre propre réussite, mais... Voilà, il va falloir faire un choix par rapport... Vous êtes attiré peut-être par plusieurs choses. Hein, vous êtes dans une phase où vous avez peut-être plusieurs idées, d'accord, au niveau orientation professionnelle. Mais là, voilà, vous êtes en phase de choix. Vous allez faire le bon choix, hein, parce qu'il y a un magnifique arc-en-ciel mais, et qui va vous mener vers la réussite. Et en plus, on me dit que vous êtes en période de chance ici, hein, d'accord. Alors, on va voir où que c'est une chance pour vous d'avoir ce choix aussi. Ok? Allez. La famille peut être aussi la famille. C'est-à-dire, elle peut vous aider à choisir, à faire le bon choix. D'accord? L'argent, ici. Donc, avec la chance, ici, ça me parle de bon, une rentrée d'argent. Mais ça me parle aussi, vous savez... au jeu, étant donné que vous êtes en période de chance, n'hésitez pas à aller jouer, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a une rentrée d'argent, la réussite, l'amitié, il y a quelqu'un sur qui, des personnes sur qui vous pouvez compter, d'accord, ici, un lien très fort avec une personne qui va vous amener vers la réussite ou de nouvelles amitiés, mais des amitiés sincères. Le choix, la maison. Donc, la maison, on est dans le professionnel. Donc, encore une fois, ça peut parler de l'entreprise où vous travaillez, du lieu où vous travaillez. Alors,
voyez, par rapport à l'attirance et la trahison qui ressort. Donc, attention de ne pas vous trahir vous-même, de pas, c'est-à-dire de vous orienter vers quelque chose qui, en fait, au fond de vous, vous savez que ça ne vous conviendra pas. Voyez, et de suivre, en fait, peut-être des idées, voilà, de certaines personnes que non, ne fais pas ça, va vers là, prends plutôt ci, prends plutôt là. Et en fait, vous allez écouter, mais vous trahissez, en fait, hein, d'accord? Après, ça peut parler aussi de tomber les masques, c'est-à-dire de rester vous-même, ok? Peu importe le milieu professionnel où vous vous trouvez, ici, on vous demande vraiment ben, peut-être de profiter des vacances aussi, hein, en famille, pour pouvoir discuter et de vos choix au niveau professionnel. D'accord. Ça peut parler d'un partenariat aussi ici. Hein. Peut-être un partenariat familial, peut-être un partenariat amical tout simplement. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de vous écouter, de tomber les masques, de rester vous-même et de pour pouvoir faire ce choix. D'accord? Allez, on va voir un peu ici. On va continuer. Ouais, vous êtes en phase de transformation, hein, de toute façon, et d'équilibre. L'amour ici, l'amour pour moi ici, c'est comment dire ça? C'est vraiment faire les choses avec le cœur, d'accord? Ouais. Et vous allez être récompensé en faisant les choses avec le cœur, en étant solidaire, même peut-être avec des collègues. Hein, vous allez être récompensé. Il y a une récompense ici. Alors attention aux conflits, hein. Donc pour moi encore une fois, ça peut être des conflits intérieurs comme des conflits amicaux, relationnels. D'accord? Je vous dis, il y a un renouveau ici par rapport à ce choix. Vous avez envie de renouveau, de quelque chose de nouveau, et vous avez un choix à faire là. C'est peut-être ça qui vous met en conflit aussi. Hein. Alors peut-être au niveau relationnel, hein, évidemment. Parce que il y a des personnes qui ne sont peut-être pas d'accord, voilà, avec vos choix. Mais écoutez-vous, tombez le masque, restez vous-même. Allez vers ce qui vous attire et en plus vous allez vers le bonheur. D'accord? Ça va vous mener vers le bonheur. Et on se dépouille de tout ce qui a du passé. D'accord? C'est un renouveau. Hein. La jeunesse avec la vieillesse ici, c'est on fait table rase de tout ce qui est ancien. Ok? C'est la fin d'un cycle. Mais en tout cas, c'est aussi, ça me parle aussi d'une situation qui va perdurer dans le temps. D'accord? Par rapport à votre choix professionnel. Ok. Waouh! Très beau, hein, les amis. C'est très beau. Ça va peut-être créer des conflits avec votre autre. Hein. C'est possible, hein, parce qu'avec la carte de l'amour et les conflits à côté, c'est fort probable. Mais ce n'est pas des conflits, des grosses disputes, c'est pas quelque chose voilà, qui va être, qui va bouleverser plus que ça, ce sera passager. Et, mais voilà, là on vous demande de vraiment suivre votre chemin à vous pour pouvoir évoluer. Et on vous demande de faire l'équilibre, de faire preuve de patience. D'accord? Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant pour vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois d'août? Août, septembre, bien sûr. Hein. Vous savez que le temps n'est pas figé. Hein. Allez. Taureau. Trois cartes, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'y a qu'à demander. Allez, trois cartes pour mes taureaux. Pour ce mois d'août. Niveau sentimental. J'en ai deux qui veulent venir, alors on va les prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tu n'es pas prêt. Différence d'âge. Ici, changement positif dans une relation existence et une surprise. Pour moi, il y a des personnes qui vont... Alors, je vais faire par catégorie, on va dire ça. Il y a des personnes ici, des célibataires. On va s'occuper des célibataires.
Ici, on vous dit que émotionnellement, bon, vous avez envie évidemment d'entamer une relation, vous avez peut-être fait une rencontre. Donc, pour les célibataires, vous avez peut-être fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre très prochainement. Parce que j'ai l'été, j'ai 10 jours, donc ça va être assez. Et j'ai le mois d'août, donc ça va être assez rapide. Ça va être une surprise pour vous. Hein. Mais vous ne vous sentez pas prêt ou prête à entamer cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, il y aura peut-être une différence d'âge et cette différence d'âge va vous déranger, en fait. D'accord? Ça va être vraiment une rencontre assez surprenante, une surprise. D'accord? Mais on me dit que courant le mois d'août, donc vous avez peut-être rencontré déjà cette personne, hein, il va se manifester quand même un changement positif. Si vous avez déjà cette relation avec cette personne, il va y avoir un changement positif dans cette relation existante, d'accord? Et ça va être une surprise pour vous. Vraiment un changement positif, mais ça va être vraiment quelque chose d'inattendu. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer très prochainement, de toute façon. Pour l'instant, vous ne vous dites pas prêt ou prête. Attention, prêt ou prête. Mais ça va amener quand même un changement. Il y a quelque chose qui va être surprenant. Il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va amener quelque chose de positif à cette relation que vous n'avez pas entamé. Mais pour moi, vous allez l'entamer courant août. Et ça va, c'est quelque chose qui va amener quelque chose de positif déjà au niveau de la relation, mais par rapport à vous aussi intérieurement. D'accord? Voilà les amis, ça me parle vraiment pour les personnes célibataires au niveau des rencontres là. Je n'ai rien pour les couples, à part voilà, un changement positif dans votre relation. Il y a quelque chose qui va venir peut-être agrémenter votre. Ça va être surprenant, ça va être inattendu hein, pour vous qui êtes en couple. Mais en tout cas, c'est vraiment. Un changement vraiment très positif. Il y a quelque chose qui va s'amorcer. Avec la nouvelle lune ici, courant du mois d'août, là, il y a quelque chose qui va s'amorcer pour vous. Bon, ben écoutez, c'est très beau, hein? C'est magnifique. Voilà, mes amis, écoutez, si ce tirage vous a parlé, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Je fais les guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai donc tous les renseignements, hein, évidemment. Vous aurez l'adresse mail sous la vidéo. Hein. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite.